Molière, où l'on assiste aux tribulations d'une famille, où la partie féminine de la famille se pique de devenir des grands scientifiques, des féministes avant l'heure, qui se préoccupent d'astronomie, de grammaire, de littérature, et on oublie les réalités de la vie quotidienne. Donc le seul élément qui reste les pieds sur terre, c'est le mari, qui s'appelle Chrysale, et qui malheureusement n'arrive pas à imposer son autorité et faire les choses comme il les sent. Hola, pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que le savoir charmé. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie de... Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas la cause? Et quel lien d'avoir du point fixe écarter ce que nous appelons centre de gravité? Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre. Le lourdeau! Bien m'y prendre à n'être pas de verre! Non, mais de l'esquier partout! Cela ne t'arrive pas! Servez-nous promptement votre aimable repas. C'est un classique parce que ça ne vieillit pas. Les sentiments, comme ils sont décrits, sont extrêmement actuels. Et on peut très très bien transposer les situations dans le monde d'aujourd'hui où quelqu'un dans une famille ferait prendre à la famille une orientation complètement différente. Donc je crois que c'est ça qui fait que ça ne vieillit pas. Et c'est bien écrit. C'est une très belle langue, c'est une pièce en vers, donc en alexandrin, et ces vers sont très beaux et n'empêchent pas à la comédie de se développer.